Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc alors aujourd'hui c'est une vidéo pour vous présenter ça. Donc tout ce que Edouard m'a donné, voilà. Donc on commence tout de suite, voilà quoi. Donc avant de commencer la vidéo, donc je tenais à remercier Edouard, donc un grand merci à toi. Donc j'ai passé un super week-end et tout, donc il est venu un week-end. Un grand merci pour tout ce que tu m'as ramené et tout, franchement c'est super cool. Donc on commence tout de suite la vidéo, donc on va faire comme ça. Et tout n'est pas ici. Je vais vous montrer après, il reste encore, j'en ai monté 3, donc je vais pas vous montrer ce qu'il y a en haut parce que j'ai pas envie de... Non, c'est pas que j'ai pas envie, c'est que j'ai un peu la flemme de faire 36 000 coupures. Donc du coup, j'ai pas voulu montrer. En haut, on a une Marbella et une pilote, il me semble, une pilote verte. On a une Marbella et une pilote verte, voilà. Donc une Marbella avec le réflecteur pour BF, donc avec deux lamelles, un peu le style à Sherpé. Et une pilote T1 verte avec capot vert, de couleur verte, d'origine. Voilà. Donc on commence tout de suite par un feu. Donc ça c'est vraiment super cool, un grand merci à toi. Donc ça j'en avais pas et j'en ai jamais pu en avoir. Donc du coup ça c'est vraiment cool parce que c'était introuvable pour moi et t'as réussi à en trouver un, donc c'est vraiment super cool. Donc EVR, donc je connais pas du tout les feux, donc du coup je sais pas trop comment ça marche et tout. Donc je regarderai ça plus tard. Une Junior G, donc cette Junior on l'a récupérée ensemble. On l'a démonté, c'est lui qui l'a démonté. Je vais vous la montrer. Donc elle est un peu en mauvais état. Donc les réflecteurs ils partent un petit peu en cacahuète là. Ça tient plus trop, mais bon je redresserai tout ça, je nettoierai ça. La vasque, elle est morte. La vasque, il n'y a plus de vasque. Hein, donc elle est complètement shootée par. Vous voyez, il y a du beat and ball et du pistolet à billes. Donc en fait, elle s'est fait shooter au pistolet à billes. Celle-là, donc voilà. Hein, c'est malheureux, mais c'est comme ça. Au moins, j'ai une Junior G, elle est en BF250 d'origine. Donc c'est déjà ça. Hein. J'enlèverai la vasque, ce sera une version sans vasque. Et j'enlèverai sans doute les crochets. Parce que du coup, les crochets, ce sera plus d'origine. Enfin, je veux dire, ça sert plus à rien qu'il y ait des crochets. Hein. Enfin voilà quoi. Donc du coup, voilà. Donc une Junior BF250. Excusez-moi, donc une pilote. Donc alors cette pilote. C'est, on en a ramené plusieurs des pilotes T1, je vous en montrerai après parce qu'on a installé des luminaires sur des mâts aussi. Donc je vous montrerai après. Voilà. Donc celle-là, en fait, il m'a ramené juste un capot. Voilà, donc un capot de pilote. Donc il est en super bon état, juste un tout petit pet sur le dessus, mais bon, ça c'est pas grand chose. Voilà. Moi, j'avais un châssis. Voilà. Donc j'ai un châssis. C'est ce que j'avais en stock. Donc de base, je devais le jeter, donc il a un pet là, le châssis. Mais bon, ça c'est pas très grave. Donc de base je vais le jeter, mais au final je vais le garder. Voilà. Donc, et j'ai un réflecteur en haut, voilà, et un truc pour appareiller ici, et une bride. Donc du coup, il n'y aura juste pas de vasque, mais je vais reconstruire une pilote avec ça. Enfin voilà quoi. Ici on a une Comet LV première génération, donc je ne vais pas vous ouvrir les luminaires. Donc ici on a une LV première génération, voilà, donc qui est repeinte malheureusement, mais ce n'est pas très grave. Je pense que cette Comet, je vais la repeindre. Je pense que je vais la repeindre d'une râle de couleur pour faire une comète de couleur, mais avec la râle d'origine. Donc ce sera comme à l'origine. Voilà. Donc, par contre, le réflecteur il est nickel. Voilà. Donc c'est la première génération. Ce truc là il était jaune. Jaune ou blanc. Donc du coup voilà. Donc l'étiquette Mazda comme une première génération. Hein. Et sur la première génération, comme vous pouvez voir, c'est des vis comme ça. Voilà. Et c'est pas des clés à LED. Voilà. Donc ça c'est une première génération qui date de 81. Voilà. Donc je sais pas trop, je sais plus trop quand ça a paru la comète, mais elle en base d'origine, elle date de 81. Enfin, voilà quoi. Ici on a une Shredder MC2, donc la deuxième, hein, donc il m'en avait déjà ramené une. Voilà. Donc celle-là, la vasque, elle est pétée, enfin, elle a un pet ici. Donc voilà, donc là les morceaux de vasque qui étaient dedans. Voilà. Donc voilà la Shredder MC, donc ce que ça donne. Bon alors super bon état en fait à part la vasque. Hein. Mais bon, ça la vasque, c'est pas très grave parce que c'est pas comme si il manquait complètement la vasque, c'est un trou, donc c'est pas grand chose. Et ici, on en a une que normalement il m'avait dit c'était pour faire de la pièce, mais au final, je vais la garder. Donc, du coup, ici, on en a une deuxième, celle-ci avec la vasque intacte. Sauf que, en fait, là, le problème de la Shredder MC, c'est que la vasque elle est scellée à l'optique, donc du coup, est riftée normalement sur les côtés. Normalement, il y a un rivet. Ah, bah non, il n'y a pas de rivet, donc ça doit être une première génération. Ok, il n'y a pas de rivet. Donc du coup normalement celle-là je peux enlever la vasque, mais celle-là je ne peux pas parce qu'il y a un rivet. Voilà. Donc celle-là elle est rivetée, donc celle-là c'est une deuxième génération je pense. Enfin voilà quoi, donc du coup celle-là
Celle-là, de base, c'était pour pièce, mais au final, je me suis dit, elle est en super bon état, la vasque, elle n'est pas cassée. L'intérieur, voilà, donc ça, c'est les fils d'origine, donc il manque juste le ballast. Voilà, donc ça, c'est pas grave, je vais en remettre un. Et donc, du coup, je me suis dit, autant retrouver un capot, ça se trouve. Donc, du coup, je vais la reconstruire. Donc, c'est comme si j'avais inscrit la RMC complète parce que ça se trouvait. Excusez-moi. Donc, ici, on a un projecteur Osram. Donc, pour la petite anecdote, c'est mon premier luminaire Osram d'éclairage public. J'avais déjà une réglette, si vous vous souvenez. Une fois, 58 watts. Donc, c'est mon premier luminaire d'éclairage public Osram. Donc, projecteur Osram Allodium. Voilà, voilà. Donc, c'est un projecteur, hein, tout ce qu'il y a de plus classique. Voilà, voilà. SHP 250. Quelque chose que je cherchais depuis longtemps, mais très très longtemps, c'est une Comet P. Voilà, voilà. Donc ici, le capot, il y a un petit peu, voilà, mais bon, ça c'est pas très grave, ça se remet. Hein. Voilà, donc c'est une Comet P, donc j'en cherchais depuis super longtemps. Hop là, ça c'est une vasque de rechange. Donc une Comet P, donc celle-là, elle est pas jaunie, celle-là, elle est jaunie, mais bon, ça se déjaunit. Hein. Voilà, donc E27, donc SHP 70 watts, donc le ballast n'est pas d'origine, c'est un Abel dedans. Mais bon, je pense que je vais en repasser une en 125 parce qu'il m'en a ramené 3. Voilà, voilà, donc là ici vous en avez qu'une, mais je vais vous montrer après les deux autres où elles sont. Donc voilà, voilà, donc une petite Comet P, donc ça c'est vraiment sympa. Donc du coup ça me permet de compléter ma gamme Comet. Pourquoi? Parce que j'ai la Comet LV1, j'ai la Comet LV2, j'ai la Comet L et j'ai la Comet P. Donc voilà, donc il manque la mandoline. Il manque la mandoline, mais bon, c'est pas vraiment partie de la gamme Comet, c'est comme la pilotine, c'est la gamme pilote, mais sans être trop la gamme pilote parce que. C'est pas des luminaires d'éclairage du russe, c'est plus pour les résidences. Donc en soi, la mandoline, c'est pareil, sauf qu'elle a la bride en plastique et une vasque blanche. C'est pas très très intéressant. Si j'en chope une un jour, je la prendrai, mais sinon, c'est pas très intéressant. Donc du coup, j'ai ma gamme Comet, on va dire qu'elle est complète. Excusez-moi. Hein. Ici, quelque chose que je cherchais depuis super longtemps. Une Thorn Riviera. Et c'est pas n'importe quelle Riviera. L'une, elle est verte. Donc ça, c'est cool, c'est que c'est une couleur. Hein. C'est pas une Riviera de base. Elle est toute verte, on n'a pas un capot d'une couleur et de l'autre parce que ça c'est moche. Donc elle est toute verte. Riviera 1 AGB, RAL 6012. Voilà, voilà. Excusez-moi, je suis un petit peu enroué. On a une vasque en verre et on a une verre bombée. C'est ce que je cherchais. Je voulais pas une vasque en plastique bombée ou une vasque plate, je voulais une verre bombée. Et c'est ce que j'ai. Bon, il n'y a pas un réflecteur vert, mais bon, ça c'est pas très grave. Le réflecteur à lui, au moins ça permet d'alléger un peu le luminaire. Voilà, voilà, ça Riviera 1. Donc c'est pas la Riviera qui est énorme. Voilà, donc ballast d'origine, SHP 100 watts, donc à nettoyer bien sûr. Voilà, voilà. Donc ici, après la Austral 73 première génération qui m'avait donné. Ici, on a une Austral 73 deuxième génération. Voilà, voilà. Donc d'origine, il me semble. Voilà. Non, celle-là, elle n'est pas d'origine. On le voit, je l'ai vu, il y a un ballast Abel dedans. Voilà, voilà. Donc là, c'est des fils qui sortent. Mais bon, ça, c'est pas très grave. C'est à remettre. Donc SHP 150. Donc avec la tech. Donc ça j'en ai deux, je vais vous montrer après où elle est la deuxième. Voilà, voilà. Donc une Austral, bon, alors elle a refixé, hein, mais bon, c'est pas grave. Voilà, voilà, donc une petite Austral en super bon état, une Austral V2. Voilà, voilà, donc là ici, on a un truc de pilote. Donc ça c'est un truc pour les ballasts. Donc ça c'est un truc pour les ballasts. Donc SHP 70, donc ça je vais la remettre en 70, je pense. Donc du coup, voilà, voilà, donc ça c'est un couvercle de ballast, donc première génération. Le pilote, ça c'est une lampe que je cherchais depuis longtemps. Bon, elle est morte, hein, mais bon, ça c'est pas très grave. Donc, ça c'est une lampe que je cherchais depuis longtemps. C'est une lampe 105 watts, donc rétrofit. Donc, c'est une rétrofit, mais flow compact. Donc, elle est énorme. Voilà, par rapport à la taille de ma main, elle est énorme. Voilà, voilà. Ici, on a une sonnerie d'usine ou d'école. Voilà, voilà. Donc, ça on l'a récupéré ensemble. Donc, ça je cherchais aussi depuis longtemps. Une vieille sonnerie. Donc, voilà. Je sais pas si vous entendez. Voilà, voilà, une petite sonnerie. Je sais pas si elle fonctionne, mais même si elle fonctionne pas, bon, c'est pas très grave. C'est une sonnerie. Voilà, on cherchait ça depuis super longtemps. Donc là, maintenant, place au truc, pas les plus intéressants, mais ce que je vais vous montrer. Donc voilà ce qu'on a installé. Voilà, voilà. Donc ici, on a une Austral, la même, une 73 V2. Voilà, voilà. Donc une 73 V2, ici. Et ici, on a une Thorn Pilot T1. Voilà, voilà. Donc d'où le ballast là-bas. Donc voilà, le ballast là-bas, c'est, ça vient de ça en fait. Mais il n'y a plus de ballast dedans, mais bon, moi je vais en mettre un. Voilà, voilà, donc une Thorn Pilot T1, donc la vasque elle est pétée. Elle est complètement cassée, mais bon, ça c'est pas très grave. Elle tient encore, donc elle est en deux parties, mais elle tient encore. Donc je vais la laisser parce que des vasques on n'est plus en stock. Enfin voilà quoi. Donc du coup, c'est une pilote première génération. Donc ça c'est super cool.
Elle a tous ses crochets et tout, donc ça c'est vraiment cool. Donc elle tient avec des Colson pour l'instant. Et pour l'instant, elle est pas câblée. Donc voilà, il y a la porte du mât et tout. Elle est pas câblée, donc quand il reviendra, on recablera. Voilà, voilà. Donc je pense qu'ici, on va pas laisser ça, ça. C'était juste pour faire un test. Mais on va mettre normalement ici, il y aura un luminaire LED qui va venir à la place de l'Austral. Et ici, je vais vous montrer un autre truc. Donc, je vais faire le tour, comme ça vous verrez mieux. Ça, par contre, c'est câblé, on a testé, ça rend super bien. Donc ici, voilà. Donc voilà ce qu'il m'a ramené. Donc deux comètes P. Voilà, voilà. Donc ça, on l'a fait ensemble. Hein. Voilà, voilà. Donc pour l'instant, c'est pareil, ça tient avec des Colson. Mais bon, c'est toujours du provisoire, mais c'est pas très grave. Ça tient super bien. Hein. Donc ici, on a une comète P en latéral. Donc Vasco Johnny en BF50. Voilà, elle est en BF50. Et ici, on a une autre comète P en BF125. Voilà, voilà. Mais sans vasque, celle-ci, parce que la vasque, elle est là-bas. Donc faut la remettre. Voilà, voilà. Donc ça, c'est câblé. Donc ici, vous pouvez voir qu'il y a des vagos. Mais bon, c'est du provisoire, hein, de toute façon. Donc on fera ça plus tard. Donc je pense qu'on va laisser les vagos, mais on va les rentrer dedans. Voilà, donc ça tient avec des Colson, mais ça tient. Hein. Donc voilà un petit peu comment on a fait ça. Donc pour l'instant, c'est du provisoire parce qu'il faut qu'on perce le mât pour passer ce fil dedans. Voilà, voilà. Et ici, on a mis un porte-fusible. Voilà, donc, mais ça fonctionne. Hein. Et on a juste à se brancher et ça fonctionne. Enfin, voilà quoi. Donc du coup, on se branche ici, on met une fiche ici et ça fonctionne. Enfin, voilà quoi. Donc, sur ce, bah, c'est tout. Il m'a ramené aussi une Marbella et une Pilote T1 verte. Il me semble que c'est tout. Ouais, je pense. Hein. Et oui, et puis on a récupéré aussi pas mal de trucs, des vieilles prises en fonte, un compteur EDF triphasé, les dernières générations électroniques, là, les blancs, mais pas les Linky, donc celui qui manquait à ma collection, ça c'est super cool. Qu'est-ce qu'on a récupéré encore? On a récupéré des prises en fonte, du câble. Qu'est-ce qu'on a récupéré? On a récupéré une platine Mazda, donc les ballasts de Hepa, là, les longs, là. Donc lui aussi on a récupéré un ballast Mazda aussi. Qu'est-ce qu'on a récupéré? Je sais plus exactement ce qu'on a récupéré. Mais on a récupéré pas mal de trucs, donc c'est en haut. Hein. De toute façon, je ferai des vidéos. Hein. Donc ça sortira plus tard hein, parce que j'ai tellement de vidéos à faire. Et ça, vous l'avez vu depuis le début, en fait ça c'est la file Luce qui était là. Donc je l'avais nettoyée, j'avais fait une vidéo dessus. Je sais pas si vous vous souvenez. Et ça fait un an et demi qu'elle est dehors et elle s'est ressalie. Voilà, voilà, donc là on l'a déposée. Donc elle s'est complètement ressalie, hein, franchement. Voilà, voilà, donc elle est complètement sale. Mais la vasque n'est pas jaunie sur celle-là. Enfin, voilà, quoi. Donc même dans les crochets et tout, là, c'est complètement complètement sale. Enfin, voilà, donc ça, c'est pas lui qui me l'a donné, ça, c'était à moi. Mais bon, je vais la remonter quand même. Hein. Enfin, voilà, quoi. Donc sur ce, j'espère que vous avez apprécié. Si vous avez des questions, il y a les commentaires. Donc n'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner, ça ferait vraiment super plaisir. Et sur ce, je vous dis au revoir et encore un grand merci à toi Edouard, ça fait vraiment super plaisir. Enfin voilà quoi, reviens quand tu veux. Allez, sur ce, on se dit à plus tard, ciao.